Merci. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de saluer Mme Bolduc, M. Proulx, M. Bourque, M. Lemoine et tous les maires, préfets et les partenaires du développement local, de la ruralité. Beaucoup d'ex-collègues sont ici également. Puis un salut spécial aux gens de la Gaspésie des Îles, ma précieuse région. Écoutez, c'est le fun d'être ici. C'était prévu que j'y sois quand on a préparé la tournée du Québec pour présenter la PNR 3. Mais honnêtement, on a dû écourter notre tournée nationale à cause des élections. Donc, on a réalisé une tournée dans 11 régions sur 15. Et on devait terminer ici la tournée nationale. Donc, je considère que c'était important de venir vous dire quelques mots. Parce que même si on n'a pas fait le tour du Québec, on a quand même plus des deux tiers du Québec qui a été visité. Et à partir des commentaires, des suggestions reçues, je pense qu'on peut faire une bonne synthèse là, de l'exercice qui est la troisième version de la politique nationale de la ruralité. D'un premier temps, je ne veux pas l'oublier, tellement de choses que j'aurais à vous dire, mais je sais qu'on on est tous des gros vaseux, hein, tous ceux qui m'ont précédé, puis moi je faisais faux là aussi. Donc, je veux remercier d'abord le comité des partenaires qui m'a accompagné comme nouveau ministre, pas jeune, parce que pas en âge, mais en expérience, oui. Comme nouveau ministre délégué aux régions, j'ai eu le plaisir de réaliser la troisième politique nationale à la ruralité avec des hommes et des femmes merveilleux. Hein, des gens qui sont compétents, mais aussi qui travaillent avec leur cœur. Je pense à Claire Bolduc, hein, notre présidente de Solidarité rurale. Merci Claire pour tout l'accompagnement, les précieux conseils et ta détermination hein, à faire avancer la cause de la ruralité. Merci également à M. Adrien, président de l'Association des CLD du Québec, qui nous a accompagnés avec son équipe Mme Loubier également, la FQM, Bernard Généreux, hein, qui est parti pour d'autres responsabilités, mais qui a pratiquement comblé la totalité de l'exercice avec nous, avec son équipe également, et aussi du côté de l'UMQ. Bien sûr, l'UMQ nous a accompagnés dans la démarche. C'est tout un travail qu'on a réalisé, puis j'en suis très fier. Également, souligner la participation, un peu en un ajout, un dossier que... pas un dossier, plutôt une préoccupation que j'ai partagée à mon comité des partenaires, puis je voulais remercier de leur ouverture. Quand je suis arrivé comme nouveau ministre aux régions, et comme Mme Marois m'a demandé de mettre en branle le chantier du renouvellement de la PNR 3, c'était un ultime plaisir parce que j'ai eu le plaisir d'administrer, de gérer, d'accompagner le milieu avec les PNR 1 et 2 dans mes anciennes fonctions. Donc, c'est un cadeau pour moi. Mais je sentais l'importance d'amener une nouvelle dimension dans notre groupe de travail, qui était la dimension jeunesse. Hein. Pour moi, c'était un symbole qui était important, j'y tenais. Je me disais, on ne peut pas amorcer une troisième génération de politique nationale à la ruralité au Québec sans laisser une place prépondérante, une place de choix à la jeunesse. Donc, on s'est assis, on a discuté de la possibilité. Vous savez, c'est un comité très prisé. Hein. Le comité des partenaires de la ruralité, c'est quand même limité. On parle de 4 organisations. Mais je sais que beaucoup d'autres organisations auraient aimé joindre ces rangs-là, mais pour différentes raisons, on a toujours maintenu le cap avec ces 4 organisations-là. Mais on a accepté d'ouvrir un représentant jeunesse, puis ça a été Léo Bureau-Blouin qui a été l'heureux élu. Donc, Léo a participé et je suis très fier et je le remercie pour ses précieux conseils qui ont su, je pense, adapter davantage la PNR à l'importante cause hein, que sont les jeunes. Hein. Il n'y a pas d'avenir dans les régions sans jeunes, c'est clair. Et on a besoin des jeunes pour élaborer les plans hein, de nos régions et de notre réalité de demain. Écoutez, les faits saillants de la PNR 3, je pense que ça se résume à quelques lignes. Puis je trouve important de revenir là-dessus. Là. C'est important. Quand j'ai fait la tournée du Québec dans les 11 régions, moi je dis ce qui a marqué en résumé cette belle politique-là d'une centaine de pages. C'est 3 éléments principaux. D'abord, c'est la plus longue de l'histoire. On a assuré à la ruralité un outil hein, dans votre coffre, un outil de plus, un outil très substantiel, qui est la politique nationale à la ruralité. Donc, pour les 10 prochaines années, tantôt, mon prédécesseur, M. Bourque, parlait de l'importance d'avoir une réflexion à long terme, d'avoir des délais, pas des délais de 6 mois, 12 mois, présenter des projets, mais avoir du temps. Bien, je pense qu'on a donné du temps aux régions. Déjà, la version précédente avec 7 ans était quand même très intéressante, mais avec 10 ans, on se donne encore plus de temps. Puis aussi, c'est un message que le gouvernement envoie aux régions à l'effet que la ruralité est importante, puis on est prêt, on y croit, mais en plus, on l'accompagne avec un moyen concret, des moyens concrets, notamment sur le plan financier. L'autre élément, c'est les sommes. Hein? Malheureusement,
souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Puis souvent, je suis d'accord avec Mme Bolduc quand elle disait tantôt, écoutez, on parle d'économie, on parle de budget, on parle d'argent, mais on oublie souvent de parler du monde, hein, parce que tout ça, c'est pour notre monde. C'est vrai. Mais au niveau des budgets, on a cru bon aussi de rehausser. On parle de 475 millions pour les 10 prochaines années. Bien, 475 millions sur 10 ans, c'est mes professeurs m'ont bien enseigné les mathématiques, ça fait 47 millions par année. C'est quand même une augmentation substantielle par rapport à l'ancienne PNR qui était à 38 millions par année. Donc, au-delà de 25 % d'augmentation du budget pour vous occuper de votre monde. Hein, c'est ça, l'objectif. Ce n'est pas de l'argent pour de l'argent, parce que ça, on n'a jamais assez de l'argent. Mais c'est pour mieux s'occuper de la ruralité. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un effort appréciable qu'on a fait en augmentant d'au-delà de 25 % le budget dans le contexte budgétaire, financier, serré, vous le savez tous. L'autre élément, c'est l'intersectoriel. Ça, c'est un petit peu mon bébé, puis j'en suis extrêmement fier. Ceux qui me connaissent là, dans ma région, puis même certains au-delà de la région, parce que ça fait tout près de 30 ans que j'occupe des fonctions dans les MRC, les CLD, les villes. Pour moi, l'intersectoriel, là, c'est extrêmement important, puis ça fait longtemps que j'en parle. Puis je suis fier qu'on a pu inclure cette dimension-là dans la PNR 3, et c'est un immense défi qu'on vous lance. On demande aux gens des régions de donner l'exemple au gouvernement. C'est clair. Hein? C'est clair. C'est ça qu'on vous demande, puis je suis fier de vous le demander, parce que moi, j'ai confiance aux gens des régions. Vous savez, l'intersectoriel, là, ce que ça veut dire, c'est de moins travailler en silo, moins travailler chacun dans nos organisations spécifiques, puis travailler ensemble. C'est un beau grand mot compliqué pour dire « travaillons ensemble ». Parce que faire plus avec moins, là, c'est comme gênant de le dire, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle, puis je pense que tout le monde a fait plus avec moins dans son organisation. La santé, l'éducation, le municipal, nommez-les toutes, là. Mais faire plus avec moins ensemble, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis c'est à ça qu'on vit les municipalités, les régions comme gouvernement. Donc faire plus avec moins ensemble, je suis convaincu qu'on peut faire des miracles de cette façon-là. Puis vous avez tous des exemples. Puis quand j'ai fait la tournée du Québec, on a trouvé des exemples déjà de projets intersectoriels très structurants dans l'ensemble des régions. Puis bon, ceux qui ont déjà commencé, qui l'ont déjà fait, bien, on vous amène une enveloppe là, supplémentaire spécifique au projet intersectoriel. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, bien là, on vous donne un coffre à outils hein, de plus. Puis, on espère que ça va vous permettre de relancer ou de lancer des nouveaux projets intersectoriels. Puis, c'est un passage obligé. Hein. Écoutez, moi, quand j'ai été dans mes premières présences au Conseil des ministres, il y a une phrase ou une présentation qui m'a frappé. C'est elle qui m'a frappé le plus, puis je pense qu'elle va rester marquée, gravée à jamais. On a un budget de 75 milliards, grosso modo, au Québec. On est 23 ministres au Conseil des ministres. Il y a deux ministres à la santé, deux à l'éducation. Mais dans ma tête, moi, c'est deux ministères. Bien, il y a deux ministères sur 23 qui ont 78 % du budget du Québec. Deux ministères sur 23. Fait qu'on demeure 21 ministres avec 22 % du budget. On a des choix à faire, c'est pas facile. Puis, on doit faire plus avec moins et mieux ensemble. Et le gouvernement va devoir aussi s'attaquer à ça, mais c'est une grosse machine, comme vous le savez. Je ne ferai pas le procès du gouvernement. On connaît la complexité, la lourdeur, la volonté de centralisation hein, de l'appareil gouvernemental. Et c'est un défi. On va devoir s'attaquer à ça, c'est clair. On doit faire aussi mieux et ensemble et autrement, et en intersectoriel au gouvernement. Mais moi, j'ai confiance aux municipalités, j'ai confiance aux régions. Puis, je crois qu'on peut aussi établir les premières bases de la décentralisation à partir de l'intersectoriel. Je suis convaincu qu'on va de bas vers le haut démontrer au gouvernement comment on peut travailler en intersectoriel et mettre en place les bases de cette future et nécessaire décentralisation, mais qui se fait beaucoup, beaucoup attendre. Écoutez, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que les principaux éléments sont là. J'ai aussi quelqu'un des affaires municipales qui est ici, qui va, Sébastien Cloutier, qui va remplacer Yannick. Puis Yannick vit des moments très difficiles. Hein. Je vous invite à avoir une bonne pensée pour Yannick, c'est ainsi. Sébastien va vous expliquer plus les modalités tantôt. On m'a dit, Monsieur le ministre, n'entrez pas dans la cuisine. Mais c'est dur pour un gars qui a fait de la cuisine pendant 30 ans pour rentrer dedans. Donc, j'ai senti durant la tournée, mais surtout après, dans les dernières semaines, du questionnement par rapport à certains éléments plus pointus hein, ou de cuisine de la PNR. Et je pense que c'est important que je venais ici aujourd'hui pour vous donner mon interprétation, certaines réponses à ces questionnements-là, qui sont pour la plupart légitimes, mais j'espère que je vais pouvoir vous rassurer. Il y a quelques éléments qui m'apparaissent là, importants qui reviennent. Donc,
Je vais vous donner quelques informations, puis s'il y a des questions plus pointues sur certaines municipalités en particulier, certaines MRC, ça me fera plaisir de vous rencontrer après mon allocution. Mais d'ordre plus général, il y a un élément qui ressort beaucoup, c'est le financement des agents. Vous savez, il faut mettre le contexte, là. Le 3 mars dernier, j'ai signé les 250 pactes et les 125 lettres qui accompagnaient les pactes, puis on a déclenché des élections le 5. On le savait, c'était une question de jour, le 3. Donc, moi, ma préoccupation, c'était de livrer les pactes avant les élections. Si on avait eu quelques semaines de plus, probablement qu'on vous aurait fourni des pactes un peu différents, avec peut-être quelques modifications. J'en prends une part de responsabilité. Avec mon équipe, j'ai amélioré, je dirais pas corrigé, ça serait pas respectueux pour mon équipe de fonctionnaires. J'ai amélioré, à mon avis, le contenu des pactes après 3 ou 4 versions qu'on m'a déposées pour signature. Donc, on a modifié, amélioré beaucoup de choses, mais il y a peut-être certaines améliorations qui auraient pu être aussi retrouvées au sein du document, mais le temps nous a pressé. J'ai voulu prioriser le fait que les pactes soient signés dans les meilleurs délais pendant les élections pour nous assurer qu'en juin, comme dans les années passées, qu'en juin, les MRC aient les budgets pour fonctionner. Ce qu'on a fait, d'abord, j'ai signé les pactes. Vous n'avez pas les préfets qui ont un peu plus d'expérience, là. Vous n'avez pas souvent reçu des pactes signés par le ministre et après par le préfet. Généralement, c'est l'inverse. Hein? On m'a dit, c'est nouveau, ça n'a pas été fait. Oui, mais on va le faire, soit c'est. Je les ai signés, je vous ai été transmis. Puis, à partir de la signature que vous avez apposée, vous allez recevoir une avance de 50 000 $. Okay? Donc, ceux qui ont déjà transmis des pactes, le MAMRO a le mandat avant de partir. J'ai rencontré le sous-ministre, M. Bouffé, sous-ministre en titre, avec la sous-ministre adjointe, Mme Lambert, avec l'équipe. Puis, on a mis notre plan de match là, dans les derniers jours avant de partir, pour s'assurer que les élections là, ne nuisent le moins possible hein, au déploiement de la PNR 3. Donc, vous signez les pactes, vous les retournez au MAMRO, il y a un chèque de 50 000 qui va être versé, une avance pour sécuriser les postes des agents. Parce qu'on sait que les agents, c'est extrêmement important, puis j'ai entendu cette préoccupation-là. Normalement, les élections, bon, 7 avril, on va donner un mois au nouveau gouvernement ou à l'actuel gouvernement pour s'installer. Moi, je pense qu'au début mai, il va y avoir un ministre qui va être dans la chaise. La vie va reprendre. Donc, on va pouvoir continuer à mettre en branle la PNR. Mais dans l'attente, au moins, on avance. L'autre élément qui est important, au-delà du 50 000 d'avance pour sécuriser les agents, puis s'il y a des préfets qui sont encore inquiets, là, malgré ça, bien, j'aimerais les rencontrer parce que, soyons sérieux, là, il faut que les agents demeurent en place. Là. On a annoncé une PNR pour 10 ans. On augmente de 130 à 155 le nombre d'agents. Bien, il faut sécuriser ce monde-là puis les garder, hein, je vous en prie. Donc, ça, c'est important. L'autre élément, c'est la question de la reddition de comptes, les plans de travail, les plans d'action, toutes ces patentes-là. Là. Ça aussi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Écoutez, je vais vous résumer ça. Ce qu'on vous demande pour recevoir la balance des sommes en juin, comme dans les années passées, on vous demande de déposer la reddition de comptes du PAC antérieur 2007-2014. Moi, on me dit que chaque année, vous déposiez un rapport annuel. On est à la 7e année, donc il y a la reddition de comptes 13-14 à faire. Ça devrait s'ajouter aux 6 autres années, et ça complète la reddition de comptes 2007-2014. Et moi, je pense que c'est de quoi qui peut se faire très rapidement. Première obligation. Seconde obligation, nous donner votre plan d'action pour l'année actuelle, juste la première année. 2013-14, mettez-nous, comme vous avez fait dans les 7 autres années antérieures, votre plan d'action annuel. Donc, votre reddition de comptes 2007-14, que vous avez sûrement préparé au fil des 6 dernières années, parce qu'on vous demandait une reddition de comptes annuelle. Donc, ça, je pense que c'est clair. L'autre élément, votre plan d'action pour l'année en cours. Avec ça, vous allez recevoir les mêmes sommes, selon les mêmes modalités que les années antérieures. Et je pense que juin, qui était la date des années antérieures, est facilement et réaliste aussi. Donc, c'est l'objectif qu'on a poursuivi en accélérant le processus là, de transmission des pactes avant les élections. Ce qu'on vous demande pour ce qui est de la planification des 10 prochaines années, ce qu'on appelle le plan de travail pour les 10 prochaines années, je suis conscient que c'est plus long, hein, on planifie sur 10 ans. Ça, c'est décembre 2014 qui est l'échéancier. Fait que ça, on ne se borde pas de ça pour tout de suite. Ce qui est important, votre reddition de compte 2007-2014, votre plan d'action pour l'année 1, je pense que, hein, après 12 ans d'intervention dans la PNR, vous êtes sûrement en mesure de nous dire rapidement, là, très facilement, ce que vous allez faire durant la prochaine année. Puis avec ça, les sommes peuvent être dégagées pour juin 2014, qui est la même année que les autres années antérieures. Puis avec ou sans élection, personne n'est pénalisé. Ça, c'est... J'espère que c'est clair, puis il me semble que c'était ce qu'on voulait de simple, de rapide, puis c'est ce qu'on a fait le mieux dans le contexte actuel.
Une autre question qui ressort souvent, c'est la question du financement du premier agent, hein, l'agent rural comme tel. Écoutez, j'ai pris la peine d'aller vérifier. On a libellé un peu autrement la question du financement de l'agent rural, le premier agent rural qu'on va appeler. Il a été libellé autrement, mais quand on lit le pacte 2007-14 puis le pacte 2014-2024, ben moi, je défie n'importe qui de me dire que ça dit d'autres choses autrement. C'est la même chose en termes de finalité. Et la question du financement à 100 % ou à 50 % parce que dans l'ancien pacte, c'était écrit également que le milieu devait financer à 50 % on a reconduit le même esprit, mais avec des mots peut-être différents, puis qui ne sont pas plus sévères à ce que je cherche, là. Ça, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu de la modulation, il y a eu de l'adaptation qui a été faite dans le passé, malgré le libellé qui était assez rigide. Bien, moi, je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un ministre des régions, est-ce qu'il y a un ministre d'affaires municipales qui vous a dit que ça allait être différent pour la prochaine PNR? Moi, je vous dis que la modulation, l'application de règles précises pour des MRC qui sont en difficulté, notamment les MRC dévitalisés, ça va être la même chose. Donc, regardez le contenu, le libellé 2007-2014, regardez le libellé 2014-2024. Il y a eu de la modulation dans le passé. Bien, je pense qu'on va continuer à aller dans le sens de la modulation. Donc, la question de la mise de fonds du 50 % une très grande ouverture à ce niveau-là. OK? On a fait preuve de souplesse dans le passé. On va continuer. Du côté des délais, parce qu'on parlait de délais, est-ce que l'argent va commencer à… est-ce qu'on va pouvoir faire nos projets à l'automne? J'ai entendu même la date de septembre. Je ne sais pas pourquoi la date de septembre a circulé beaucoup, mais avec ce que je viens de vous expliquer tantôt, si vous nous transmettez votre bilan 2007-14 puis votre plan d'action de la première année, les sommes, il n'y a aucune raison. Qu'importe le gouvernement, il va y avoir un gouvernement en place là, hein, au début mai, c'est clair. Il va y avoir un ministre dans la chaise, un ou une ministre. Puis au mois de juin, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche là, d'avoir l'argent, que l'argent soit arrivé dans les coffres des MRC. Donc, ça, c'est les principales questions qu'on s'est fait beaucoup interpeller à ce niveau-là. Un autre élément aussi, un peu moins, mais je l'ai eu dans ma région, ce questionnement-là. On dit il y a une clause à quelque part à l'effet qu'on ne peut subventionner une ressource qui est déjà subventionnée en partie par un programme gouvernemental. J'ai questionné hier en montant, j'ai appelé notre sous-ministre, Mme Lambert, je lui ai dit « Expliquez-moi donc pourquoi on a ajouté ça. » Elle me dit « Monsieur Lelièvre, écoutez, la tentation pourrait être extrêmement forte, notamment au niveau des pactes plus, la tentation pourrait être extrêmement forte pour certains ministères, parce que là, on vous demande d'ouvrir, de travailler davantage avec l'intersectoriel, avec souvent des ministères. Ça pourrait être tentant que certains ministères, j'en nomme pas, j'aurais peur d'être mal interprété, mais certains ministères pourraient vous demander de compenser pour payer des postes qui sont généralement payés par la fonction publique. Hein? Ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'éducation, ça peut être, trouvez-en, là, dans tous les ministères. Fait qu'on a libellé de cette façon-là pour s'assurer que la PNR 3, qui a été majorée quand même en termes de budget, où on ouvre sur l'intersectoriel, que la PNR 3 ne devienne pas finalement un mécanisme pour financer le désengagement gouvernemental. Une fois qu'on a dit ça, ça vous protège pour certains ministères qui pourraient essayer de vous tordre le bras un peu. Mais c'est possible de réaliser des projets. Vous savez que dans les PAC, on présente des dossiers, des projets. Un projet, par exemple, qui serait présenté pour mettre en commun une ressource au niveau, par exemple, de l'approche ATI, ce qui existe déjà, c'est un projet. Ce n'est pas une ressource gouvernementale. Oui, c'est admissible. Un agent de développement supplémentaire, oui, c'est admissible. On peut parler d'un agent au niveau culturel. On a des programmes avec VVAP, par exemple. Oui, c'est admissible parce que ça devient un projet. Donc, la crainte que j'ai entendue beaucoup, c'était à ce niveau-là. Donc, la PNR ne doit pas servir à payer des postes, la fonction publique, parce qu'il y a des diminutions de budget dans les régions. Mais si vous voulez faire un projet puis engager une ressource qui va travailler au niveau développement social, au niveau communautaire, au niveau économique, au niveau municipal, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire parce que ça devient un projet, un dossier financé dans le cadre de la PNR, avec l'enveloppe sur la ruralité. OK? La question des territoires. Hein? J'ai rencontré plusieurs élus inquiets, dont notamment M. Charbonneau, le maire de Sainte-Anne-des-Plaines. On s'est parlé tantôt. J'ai eu d'autres interventions aussi. Hein? M. Charbonneau a peut-être le mérite de dire tout haut ce que d'autres pensent aussi ou ont comme crainte, mais c'est clair que je sens une préoccupation. Hein? Je sens une préoccupation pour plusieurs municipalités. Il y a deux maires qui m'ont interpellé à date, mais moi, de par mon vécu là, d'ancien... d'anciens agents de développement régional, je sens qu'il y a un malaise qui est beaucoup plus élargi ou qui est beaucoup plus grand que ce qu'on entend présentement.
Et le cas de Sainte-Anne-des-Plaines peut s'apparenter à beaucoup d'autres cas au Québec. Moi, ma lecture de la situation, c'est que, vous savez, on a au Québec deux mondes. On a le monde de la ruralité, puis on a le monde de l'urbanisme, de l'urbanité. Puis, le Québec s'urbanise, les statistiques le démontrent, c'est clair. Il y a des municipalités qui étaient rurales qui le sont moins, dans les 12 dernières années, notamment si on prend la durée de vie de la PNR. Mais au-delà de ça, il y a des municipalités comme Sainte-Anne-des-Plaines, puis comme d'autres, qui tombent un peu dans le craque du plancher. Ils ne sont pas dans l'urbanité, ils ne sont pas dans la ruralité, ou ils sont en partie dans l'urbanité, puis en partie dans la ruralité. Moi, ma lecture, après tout près de 30 ans dans l'aménagement du territoire, dans la gestion municipale, dans le développement régional, ce malaise-là, je le sens, puis je le vois. Puis, je suis certain que ça, on doit travailler à ce niveau-là. Je ne pense pas que la PNR est la solution ultime à Sainte-Anne-des-Plaines ni à d'autres municipalités. C'est peut-être une partie de la solution, j'en conviens. Mais le malaise est plus profond que ça. Puis, ces municipalités-là, qui sont mi-urbaines, mi-rurales, on doit se pencher sur cette problématique-là. Puis ça, j'en prends l'engagement de travailler sur cette dimension-là, mais on va le faire de façon plus globale. Quand on parle de problèmes de sécurité publique, de problèmes de transport, bien, ce n'est pas dans la PNR. Mais la PNR peut peut-être jouer un petit rôle, mais le malaise est plus profond que ça. Puis, moi, je pense qu'il faut s'attaquer à cette problématique-là qui est pointue, puis qui n'a peut-être pas été traitée avec le bon outil jusqu'à aujourd'hui. Puis ça, on va devoir le faire. Puis, je pense que le bel outil pour faire ça, l'outil complet qui nous donne tous les moyens pour arriver à avoir une meilleure équité pour ces municipalités-là, bien, ça va être le prochain pacte fiscal ou la prochaine entente Québec-municipalité. Le prochain gouvernement l'appellera comme il veut, là. Mais c'est ça. La PNR, c'est une partie de la solution, puis j'en conviens, mais ce n'est pas la solution. Au bon malaise, on doit avoir le bon moyen. Au bon problème, ça prend la bonne solution. C'est ce que je peux dire aujourd'hui aux gens qui se sentent dans cette situation-là. Puis c'est le message le plus honnête que je peux livrer. Là, je ne fais pas de promesses aujourd'hui. Là. Puis ce que je tenais à venir vous voir parce que je suis heureux de boucler la démarche là, nationale au niveau de la PNR. C'est le fun d'être ici avec vous aujourd'hui, avec des gens que j'ai rencontrés puis que j'ai côtoyés des dernières années. On va devoir mettre en branle dans les prochains mois cette PNR-là. On est à l'étape, à l'année 1. C'est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vous savez, on a prévu à l'année 5 une revision complète de la PNR parce que c'est beau 10 ans, mais dans 10 ans, le Québec va évoluer. La ruralité va évoluer, l'urbanité va évoluer, puis il va falloir trouver des solutions pour des municipalités qui sont dans la craque entre les deux. Donc, il y a une revision majeure qui va se faire à l'année 5. Ça, je trouve ça important aussi. Parce que de sécuriser les régions en leur disant « vous avez une politique pour 10 ans, c'est bien », mais moi, je suis convaincu que la politique telle qu'on va l'appliquer cette année à l'année 1, je ne suis pas sûr qu'elle va répondre encore très, très bien aux besoins de l'année 10. Ça m'apparaissait important aussi de faire ce temps d'arrêt-là à l'année 5. Mais on n'attendra pas à l'année 5 pour se pencher sur des problématiques comme Sainte-Anne-des-Plaines et d'autres municipalités qui m'en ont parlé personnellement ou qui le vivent, mais qui n'ont pas eu l'occasion de l'exprimer. Donc, c'est ça que je voulais vous livrer comme message. Vous savez, j'ai parlé avec, j'ai encore mon siège de ministre délégué. On demeure en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de notre remplaçant. Mais je vous ai parlé aussi comme gars de région, puis avec mon cœur aussi. Puis ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que je pense. C'est ce que je vais travailler à mettre en place si je suis encore là, et j'espère. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puis j'ai le goût puis le cœur d'amener encore ma contribution au développement de la ruralité puis des régions. Puis ce que je vous ai dit, c'est ce que je m'engage à faire sincèrement. Pourquoi? Bien, c'est pas compliqué. C'est parce que le 7 avril, soit que je vais continuer d'être parlementaire, puis travailler dans ce que j'aime le plus, le développement régional, ou je vais continuer à travailler comme agent de développement dans ma région, puis on va sûrement se revoir. Donc, c'est important aujourd'hui que ce que je vous dise, que je sois à l'aise après le 7 avril pour en discuter avec vous. Merci.